secret soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. This is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sacalewa. This time for Africa. Listen to your God. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. For Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama. 1 A to Z. My teeth are still on my journey, biggie, biggie, mama. From east to west, my teeth waka, waka, my eh, eh. Waka, waka, my eh, eh. Bonsoir, aimables téléspectateurs. Nous sommes très exactement dans ce stade du 28 septembre de Conakry pour ce match comptant les éliminatoires de la 19e édition CAF Championnat d'Afrique des Nations U20 qui se déroulera véritablement au Sénégal en 2015. Le Sili Junior reçoit. Et justement, son homologue de la Sierra Leone. Et c'était là l'exécution de l'hymne national de la Sierra Leone. Tout à l'heure, on va écouter l'hymne de la République de Guinée. Thank you.
Bonsoir, rebonsoir, aimables téléspectateurs. C'était là l'exécution des hymnes nationaux. Et vous le constatez certainement, l'ambiance qui prévaut dans ce stade du 28 septembre de Conakry pour ce fameux match qui va mettre aux prises à cette équipe nationale junior de la Guinée, celle de son homologue de la Sierra Leone. Et vous noterez tout simplement que la formation Sierra Leonaise, tous deux vêtus de la couleur verte, et tandis que la formation de Sili Junior arbore le maillot rouge, culotte jaune. C'est justement les couleurs respectives de notre drapeau national, le rouge, le jaune et le vert. Pour l'instant, nous attendons quand même le coup d'envoi véritablement de cet arbitre sénégalais qui va officialiser ce match tout à l'heure. Il s'appelle Sow Sadigui Aliouane, qui est l'arbitre de cette rencontre et qui sera assisté par Kébé Daouda, lui aussi le sénégalais. Le deuxième assistant, c'est Noua Bangoura, il est sénégalais. Le quatrième officiel, c'est Kana Falou Galassé. Le commissaire du match, lui, il est malien, c'est Touré Mamoutou. Donc, nous allons rapidement vous livrer la composition de ces deux équipes, la formation véritablement de Sili Junior à ligne au but. Sila Mustapha, gardien de but. 17, Cissé Abdoulaye, le capitaine de la formation de Sili Junior. 2, Camara Mohamed Latige. 3, Bangoura Mohamed. Au numéro 4, Conte Ibrahima Sori. 6, Camara Abdoulaye. 7, Camara Sekou Amadou. 8, Sankon Ibrahima Sori. 13, Camara Alseni. Au numéro 15, Camara Alseni Agogo. 18, Gianlo Boubacar Sidi. Sur le banc des remplaçants, on retrouve Camara Mamadou Demba comme deuxième gardien de but. 5, Camara Nabi. Au numéro 9, Samake Abdoulaye. 10, Koumbassa Mohamed. 11, Souma Bangali. Au numéro 12, Sila Ibrahima Sori. 14, Camara Amara. Et voilà le coach de cette formation, c'est Mandjou Diallo. Eh bien, du côté de la Sierra Leone, on a au but Camara Runa, 17 Ismaël Kourouma, 5 Camara Ibrahima, 15 Dunia Yami, 3 Samoura Abou Bakar, 6 Massarey Moussa, 8 Ke Kwame, 14 Fofana Saïdou, 2 Conte Ibrahim, 10 Barry Sori, 13 Ona Kabakouker Paul. Sur le banc de remplaçants, on a 16 Conte Inoussa, 4 Massarey Mohamed, 7 Bundi Almami, 12 Tongo Villa Natantel, 19 Jour Koba Faya, 9 Fofana Seka, 18 Kaba Ibrahim. L'entraîneur de cette équipe, c'est Touray Almam. L'arbitre vient donner le coup d'envoi. Il y a de cela une minute.
ici au stade du 28 septembre de Conakry. Cette compte des éliminatoires de la 19e édition du championnat d'Afrique des Nations U20 qui se déroulera éventuellement en 2015 du côté du Sénégal, le pays de Léopold Sédar Senghor. On va repartir avec cette formation sierra-léonaise qui débute ce match avec une vitesse supérieure. Eh bien, le ballon est expédié en touche. Le numéro 15, Dounia Yami. Yami Dounia va placer ce ballon. Et c'est un ballon qui file hors du champ de jeu. La formation sénégalaise qui joue, la formation sierra-léonaise qui joue avec beaucoup plus de détermination que ce que je racontais là. Je confonds. Eh bien, on va suivre encore ce dégagement de Sili Junior qui va partir très au loin. La tête, le coup de sifflet de Sow Sadigui Alioune qui va accorder un coup franc en faveur de Sierra Leone. C'est le capitaine qui porte le numéro 17, Ismaël Kourouma, qui va lever ce ballon. Et c'est le gardien de but, Sila Mustapha, qui capte calmement ce ballon. Il va écarter pour son libéro, lequel va placer encore le numéro 8 guinéen, Sankon Ibrahima Sori. Le 6, Kamar Abdoulaye, élève dans la profondeur. C'est le numéro 15, Kamar Alseni Agogo, qui obtient la touche. Le public, comme d'habitude, n'a pas effectué comme prévu le déplacement. Mais quoi qu'il arrive, il y a quand même les fanatiques du football qui sont présents, les passionnés. Le numéro 5, que va-t-il faire? Il ne passe pas. Il va obtenir quelque chose, me semble-t-il. C'est un corner. C'est le numéro 2, Camara Mohamed Latige, qui va placer ce ballon dans l'arc de cercle de cette équipe sierra-léonaise. Attention, le ballon est ressorti par Ké Kouamé. La formation guinéenne, le numéro 5, c'est Camara Nabi. Encore la formation du Sili Junior qui possède ce ballon. C'est un centre, le numéro 15, Sierra Leone, Dounia Yami. Le numéro 18, Jean-Louis Aboubakar Sidi. L'arbitre sénégalais va siffler quelque chose là-bas. Mais semble-t-il une faute pour la formation sierra-léonaise. Un coup franc lointain qui sera joué par Camara Aruna. Camara Aruna, le ballon est levé dans la profondeur. La tête de ce numéro 17, Cissé Abdoulaye, le capitaine. On écarte là-bas sur le côté droit pour Camara Mohamed Latige, qui n'a pas pu quand même récupérer ce ballon. C'était trop long. Eh bien, c'est Sila Mustapha. Il va placer pour son libéro. La Mustapha
pour Cissé Abdoulaye. Abdoulaye. Place pour Conte Ibrahima Sori. Ça joue là-bas sur le côté gauche. Mohamed Latige. Kamara Sekou Amadou qui joue avec beaucoup plus de rapidité sur ce côté-là. C'est une faute sifflée par Sadigui Alioun. La formation sera lyonnaise. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a bousculade, accrochage entre ce gardien de but, Kamara Aruna, et le numéro 15 guinéen, Kamara Alseni Agogo, qui était parti à la conquête de ce ballon. C'est une faute, et nouvelle fois sifflée par cet arbitre sénégalais. Le ballon est levé. Il y avait hors-jeu. Hors-jeu signalé par le premier assistant, Kébé Daouda, qui avait levé son fanion pour indiquer une position de hors-jeu. Encore le Sili Junior, le numéro 18, Gianluca Boubacar Sidi, qui va placer pour le numéro 7 qui était un tout petit peu en retard pour récupérer ce ballon. C'est Kamara Sekou Amadou. Le 13 est là. Kamara Alseni qui va jouer la touche. Le ballon est levé. Et c'est un corner pour le Sili Junior, qui doit quand même faire le tout pour tout pour gagner ce match, puisque on a quand même vu le match aller. Le Sili Junior avait fait un faux pas à Makeni. C'est l'une des villes sierra-léonaises où le Sili s'est déplacé pour aller croiser le fer face à cette équipe sierra-léonaise, une équipe qui a quand même un fond de jeu très remarquable. Allez, le numéro 15, Dunia Yemi. Dunia Yemi qui va jouer ce ballon. Il y avait faute de départ sifflée par cet arbitre. Et c'est Sila Mustapha, le gardien de but, qui va ressortir dans sa case pour dégager ce ballon. Voilà ce qui est fait. La tête de ce numéro 7, attention. Et c'est Kamara Aruna qui va se plonger sur ce ballon-là. Il y a un joueur guinéen qui se tord de douleur, c'est Kamara Sekou Amadou. Suite à ce télescopage-là, il n'a pas pu résister quand même à ce duel. Voilà, il se plaint qu'il y a quand même la douleur sur son genou droit. Il va se relever en boitant sur ce coup-là. Et il va sortir et il va ensuite se faire soigner par les médecins sportifs. Le jeu est momentanément arrêté. Le numéro 13 va rapidement jouer. Le 2 plutôt, qui joue le coup franc indirect.
On va suivre encore cette équipe véritablement de Silly Junior qui est en train de jouer au niveau de la ligne arrière. La formation de Silly qui contrôle ce ballon par ce numéro 6. Le ballon élevé, renvoyé par cette défense de la Sierra Leone. Et c'est une touche. Le numéro 13, Kamara Alseni, va jouer la touche qui est levée. Et c'était Kamara Sekou Amadou qui était parti à la conquête de ce ballon. 11 minutes, à peu près 12 minutes qu'on joue dans cette première partie. Toujours 0-0. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez en direct du stade du 28 septembre de Conakry pour ce match comptant les éliminatoires de la 19e édition de la CAF Championnat d'Afrique des Nations de U20 qui se déroulera si les choses se passent dans les conditions les meilleures en 2015 au Sénégal. Voilà, il y a le gardien de but Sierra Leonais qui est en train de se faire soigner là-bas dans sa propre surface de réparation. Il a subi d'un coup au moment où il était là pour faire la parade. Voilà, il va se relever. C'est Kourouma Aruna. La Croix-Rouge était là pour secourir quand même ce joueur. 0-0. On va suivre encore ce coup franc indirect. Le numéro 5, Kamara Ibrahim, on va jouer pour le 6. Mansaré Moussa, encore le 17, Cissé Abdoulaye, élève ce ballon. C'est une faute sifflée par Sosadigui Alioun. Le numéro 17, Ismaël Kourouma, va exécuter ce coup franc. Voilà ce qui est fait. Le numéro 15, Guinéen, Kamara Alseni Agogo. Attention, il a perdu l'équilibre dans la course. Le numéro 7, Kamara Sekou Amadou. Du côté Junior, c'est un ballon qui est sorti. Et on va regarder le dégagement sur les 5,50 de Kourouma Aruna. Voici ce dégagement. Accrochage. Le numéro 13, Kamara Alseni, qui obtient véritablement un coup franc. On joue dans le rond central. Le numéro 8, Sanko Ibrahima Sori, qui va écarter pour Conte Ibrahima Sori. Conte Ibrahima Sori pour Abdoulaye Cissé. Cissé Abdoulaye, Conte Ibrahima Sori. On joue au niveau de la charnière centrale de cette équipe de Silly Junior. Le numéro 15, qu'est-ce qu'il fait? Attention, il n'y a rien. Il était dans la course avec
Le défenseur Sierra Leonais qui a bien défendu sur ce coup-là. Il s'est fait tomber quand même ce garçon en pleine course. Et il avait tendance quand même à réclamer véritablement un penalty. Mais manifestement, il n'y avait pas penalty quand même. Eh bien, c'est un coup franc pour les Guinéens. Le numéro 2, Camara Mohamed Latige, va jouer ce ballon. Attention! Qu'est-ce que c'était bien joué! La reprise de ce numéro 7, Camara Sekou Amadou. Ça manquait un peu de puissance sur cette tête-là de Sekou Amadou. On va suivre encore la remontée de cette équipe sierra-léonaise. Le numéro 6, Mansaré Mounza. Ça revient au niveau de la ligne arrière. C'est le numéro 3, Samoura Aboubakar. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Quelle mauvaise passe de ce numéro 7, Camara Sekou Amadou. Ah oui, qui devrait jouer en un temps record, mais il avait mal tiré, il avait mal donné cette passe-là. Pendant que son coéquipier était bien au marquage, le numéro 15, Camara Alseni Agogo, qui joue à la pointe ce soir, du côté guinéen. On va suivre encore le numéro 13, Camara Alseni. Il perd le contrôle de ce ballon, récupéré finalement par les Sierra Leonais. On change de côté pour retrouver le numéro 14, Fofana Saïdou. Le 13 à court, Kabatou Kerpou. Et c'est une touche pour les Guinéens. Sankon Ibrahima Sori, poitrine de ce numéro 6, Mansaré Mounza. Le ballon est placé dans la course, non. Il était un peu trop court pour récupérer ce ballon. Le numéro 15 guinéen, c'est Camara Alseni Agogo. Ah oui, trop de passes ratées du côté guinéen. Un facteur qu'il faut corriger dès maintenant pour se mettre à l'abri quand même, parce que ça nous inspire davantage le match aller lorsque le Siri Junior est allé faire un faux pas du côté de Makeni. On se souvient quand même de ce match, donc il va falloir corriger les erreurs pour ce match retour. Puisque Mandjou Diallo et ses poulains nous en ont rassuré préalablement bien avant le coup d'envoi de ce match. Attention! C'est l'ouverture du score! L'ouverture du score! Du côté Sierra Leonais, le numéro 2, il avait très bien joué, Conte Ibrahim, qui inscrit le but à la 20e minute de cette première période. Que c'était bien joué! Ah oui, une action extraordinaire. Il était dans le dos de la défense et il en a profité autant. Il a visé le deuxième poteau. Il a battu complètement le gardien de but guinéen, Sila Mustapha. Ah oui, quelle complémentarité! C'était superbe de la part des joueurs Sierra Leonais qui jouent quand même avec beaucoup de battus dans cette première période. 1-0 pour les Sierra Leonais et 0 pour les Guinéens qui jouent à domicile. Eh bien, ça va repartir. Le ballon
expédié en touche par le numéro 17, Cissé Abdoulaye. Ça donne la touche, le numéro 17, Ismaël Kourouma, qui change de côté. Vous retrouvez le numéro 5, Kamara Ibrahim. Ibrahim, c'est une équipe sierra-lyonnaise très joueuse qui fait une belle prestation cet après-midi. Malgré qu'elle est en déplacement, cette équipe sierra-lyonnaise, mais elle tient bon dans cette première partie. C'est un bon coup à gagner du côté sierra-lyonnais. 1-0, but marqué par le numéro 2, Conte Ibrahim, à la 20e minute. On a vu quand même cette sublime action au niveau de l'attaque sierra-lyonnaise. Allez, repartons maintenant. Il y a eu bousculade, le numéro 15, Dunia Yemi. Dunia Yemi, qui va obtenir un coup franc. Qui obtient d'un coup franc, c'est le numéro 17, Ismaël Kourouma, qui a rapidement joué le numéro 8, Kekouame. Tout le monde saute. Mais l'arbitre a sifflé le coup franc pour les Guinéens, qui est rapidement levé à gogo, qui n'arrive pas quand même à récupérer ce ballon. Encore le sierra-lyonnais qui combine le numéro 10, mais il y avait un petit quelque chose sifflé par cet arbitre sierra-lyonnais, cet arbitre sénégalais plutôt. Qu'est-ce que je raconte là? Eh bien, ça revient au niveau de la ligne arrière. Le numéro 3, Samoura Aboubakar. Le ballon est élevé dans la profondeur. Renvoyé de la tête par Kamar Alseni. Les sierra-lyonnais qui récidivent toujours. Kabatou Kerpol, Sila Mustapha, qui va placer pour le numéro 2 guinéen, Kamara Mohamed Latige. Latige qui lève ce ballon pour le numéro 15, qui va se débarrasser de son vis-à-vis. Et il va obtenir. Non, c'était une sortie. On pensait qu'il y avait quand même un corner pour la formation guinéenne, qui a du mal à s'imposer à domicile, cette équipe guinéenne. Ah oui. Qui perd pour l'instant contre toute attente. On repart avec les Guinéens. Cissé Abdoulaye. C'est Kamara Runa. Oui, il a raison quand même de jouer à l'économie du temps, parce que il mène 1-0. Donc, il a tout intérêt de faire ce qu'il veut dans cette première partie. Faute une nouvelle fois sifflée par l'arbitre sénégalais. Le ballon est levé. Il est toujours sur les trajectoires, ce gardien de but. Le ballon, l'arrêt de ce numéro 13, Kabatou Kerpol. Kabatou Kerpol, qu'est-ce qu'il fait? Il est aux prises avec des maillots rouges. Kabatouker, le numéro 8, Kekouame,
qui va placer pour le 5 qui avait court, qui était trop court pour récupérer ce ballon. Camara Ibrahim. C'est une équipe guinéenne qui a des problèmes au niveau de tactique. Et voilà, il est stoppé par le numéro 15, Dunia Yemi. Bien sûr, le numéro 15, Camara Alsenia Kogo, qui se tord de douleur. Plus de peur que de mal. Le numéro 17, Cissé Abdoulaye. Pour Kanté Ibrahima Sori. Le ballon est récupéré momentanément par Camara Ibrahim. Du côté Sierra Leone, on joue dans le rond central. Kekwame. Les Guinéens reviennent. Le centre, le gardien de but va sortir. Ismaël Camara Aruna. Le ballon stoppé encore par les Guinéens. On combine. Le numéro 5, Camara Nabi, va placer. Ah non. C'est une défense de l'équipe sierra-léonaise qui joue très très bien, qui veille au grain, puisque la moindre erreur pourra quand même coûter cher à cette équipe. La moindre erreur peut coûter cher à cette équipe de la Sierra Leone. Le numéro 17, Ismaël Kourouma, va lever. Le ballon atterrit dans les pieds de ce numéro 8, Kekwame. Le 14, le ballon renvoyé. C'est le numéro 6, Mansaré Mouza. L'arbitre va arrêter un peu le match. Il va mettre un temps d'arrêt pour ce joueur qui est couché au sol. Du côté Sierra Leone, c'est le numéro 2, Camara Mohamed Plito, Kanté Ibrahim. C'est l'auteur du premier but du côté Sierra Leone, qui a marqué à la 20e minute de cette première partie. Il est sorti hors du centre de jeu, il va se faire soigner hors de la pelouse du stade du 28 septembre de Conakry. Suivons maintenant cette action. Le numéro 18, Diallo Boubacar Sidi. C'est une faute. La faute, ce joueur est venu donner un coup au défenseur Sierra Leone. Voilà, et le capitaine de cette équipe, Ismaël Kourouma. Le ballon élevé par Aruna. Le 18, Diallo Boubacar Sidi. Le 4 qui récupère. Kanté Ibrahima Sori qui lève long ballon vers l'avant. C'est la formation sierra-léonaise qui repart. Trop de pertes de balles du côté guinéen. Encore la combinaison, elle est fameuse. Elle est extraordinaire du côté sierra-léonaise. Le numéro 15 qui va placer. Attention! Qu'est-ce que c'est bien joué? Du côté Sierra Leone, c'est une équipe séduisante de la Sierra Leone qui m'impressionne.
et qui impressionne tout le monde. Pour celui qui connaît le football. Ah oui. Sila Mustapha. Cissé Abdoulaye. Abdoulaye Cissé qui va donner ce ballon à Konté Ibrahima Sori. On joue de toi et à moi du côté guinéen. La passe à l'adversaire. Sila Mustapha. Il va chercher son coéquipier de marquer. Il lève ce ballon qui atterrit sur la tête de ce numéro 15, Camara Alseni Agogo. C'est un corner pour les Guinéens. Le numéro 2, Camara Mohamed Latige, va jouer ce corner. On lève la tige. Attention. Le ballon est renvoyé sans problème par ce numéro 5, Camara Ibrahim. Les Guinéens stoppent ce ballon. Camara Abdoulaye. Le numéro 7, Camara Sekou Amadou. C'est une défense séra-lyonnaise qui défend bien. On joue dans le rond central. Les séra-lyonnais. Barry Sori. Pour le numéro 15. Barry Sori toujours. Fofana Saïdou. Ça revient dans les pieds de ce numéro 18 guinéen, Diallo Boubacar Sidi. Sidi qui a court. Les séra-lyonnais repartent. Camara Ibrahima Sori. Et c'est un fanion levé. Fanion levé pour dire qu'il y avait là un petit quelque chose. Une faute. Coup franc lointain pour les Guinéens. 1-0. Aimables téléspectateurs, vous qui nous pratiquez en direct du stade du 28 septembre de Conakry, c'est le premier changement du côté guinéen. Le numéro 9, Samake Abdoulaye remplace le 18. Diallo Boubacar Sidi qui a cédé sa place à Samake Abdoulaye. On va suivre encore. Cette équipe de la Sierra Leone est en train de bien jouer cette première partie. La touche qui est rapidement jouée. Le numéro 5, Camara Ibrahim, qui ne passe pas devant l'interposition de ces deux joueurs guinéens. Samake Abdoulaye, le nouvel entrant du côté guinéen. Eh bien, c'est un coup franc pour les Sierra Leonais. Coup franc qui sera joué par Ismaël Koroma. Le ballon est levé. C'est renvoyé de la tête par le joueur guinéen. Le numéro 2, il s'agit de Camara Mohamed Latige. Et ça donne encore la touche pour les Sierra Leonais. C'est Konté Ibrahim. Samake Abdoulaye. Attention, la frappe déviée par le joueur guinéen. Le dégagement de Sila. La tête de Camara Sekou Amadou du côté guinéen. Le ballon dégagé par le numéro 5, Camara Ibrahim du côté Sierra Leonais, qui est en train de défendre beaucoup au sein de cette équipe.
Sierra Leonaise, le numéro 15. Très bien joué. Dunia Yemi. Le ballon récupéré par les Guinéens. Levé à gogo. Alseni à gogo qui ne passe pas devant l'armoire à glace de cette équipe Sierra Leonaise, qui a une défense très compacte, difficile à manœuvrer pour l'instant. Mohamed Latige pour le numéro 7. Très mauvaise passe. Dunia Yemi. Le ballon est récupéré encore. Mohamed Latige qui ne passe pas devant cette équipe. Le numéro 13 va écoper un carton jaune du côté Sierra Leonais. C'est Kabatoukar Paul qui a écopé d'un carton jaune. C'est le premier carton, me semble-t-il, du côté Sierra Leonais. L'arbitre sénégalais Sosa Digi Alioun, qui est pour l'instant à la hauteur de ce match du point de vue arbitral. On va suivre ce ballon qui est levé dans la profondeur. Le numéro 14 qui tourne sur lui-même du côté Sierra Leonais, c'est Fofana Saïdou. Attention, la défense guinéenne. Les Sierra Leonais encore qui cherchent à perforer cette défense. La frappe, bonne intention. C'était une très bonne intention de ce joueur, le numéro 14, Fofana Saïdou, du côté Sierra Leonais, qui avait tenté un tir à quelques 17 mètres du but, gardé par Sila Mustapha. La balle qui va certainement sortir, non, c'est repris du bout du pied par le numéro 13. Camara Alseni. Et là-bas sur le côté gauche, c'est Camara Nabi qui n'a pas bien poursuivi son action. Le numéro 13 Sierra Leonais, c'est Kabatoukar Paul. Le Sierra Leonais, quelle combinaison! C'est très superbe de la part de ce Sierra Leonais qui joue très bien, qui maîtrise le jeu, qui maîtrise parfaitement son sujet, cette équipe Sierra Leonaise. C'est ça. C'est un football de haut niveau que cette équipe Sierra Leonaise est en train de pratiquer cet après-midi face à une équipe du Sili. Junior qui n'est pas complètement dans le match. Et voilà, on ressent de l'autre côté la joie de la colonie Sierra Leonaise en Guinée. Cette colonie Sierra Leonaise qui étale d'ailleurs son drapeau sur ce stade du 28 septembre de Conakry. Dans ce stade du 28 septembre de Conakry. Et de l'autre côté, on a aussi les supporters guinéens, des supporters infatigables qui mettent de l'ambiance pour encourager quand même les joueurs guinéens qui encaissent un but. Mais certainement, ça va revenir vite pour donner encore l'espoir à cette équipe nationale de Guinée, Sili Junior. Voici encore ce ballon qui est tiré à ras de terre, contré par cette défense, par le numéro 6,
Camara Abdoulaye du côté guinéen. C'est un corner pour les Sierra Lyonnais qui sera joué par Barry Sori. Il y a du monde quand même dans la surface guinéenne. Voilà. On attend quand même l'exécution de ce corner. Voilà qui est bien joué. Attention, c'est renvoyé encore par le numéro 8, Sankon Ibrahima Sori. Ça redonne encore un corner à cette équipe de la Sierra Leone. Le ballon est levé. Attention. Et c'est Sila Mustapha qui s'est saisi du cœur. On va suivre encore. Ah non. Il a confondu vitesse et précipitation. Il s'est confondu dans les jambes, ce garçon. Ce joueur sera lyonnais. C'est Ibrahim Conté. 1-0. Voilà, monsieur aimable téléspectateur. Vous qui nous pratiquez en direct du stade du 28 septembre de Conakry pour ce match comptant les éliminatoires de la 19e édition du championnat d'Afrique des Nations de moins de 20 ans qui se déroulera le 2015 plutôt, qui se déroulera en 2015 du côté de Sénégal. Allez, le numéro 4, Conté Ibrahima Sori. Ibrahima Sori Conté. Il va lever ce ballon. C'est trop fort pour ce numéro 9. Qui était au marquage, Samake Abdoulaye. Et ça va donner véritablement un dégagement pour l'équipe Sierra Lyonnaise. Camara Runa lève ce ballon. La tête de Camara Abdoulaye du côté guinéen. Attention, le numéro 13, il va ressortir ce ballon juste dans la surface de réparation guinéenne. Et le numéro 5 qui va jouer la touche, Camara Ibrahima. L'arbitre avait levé son fanion pour indiquer la faute en faveur des Guinéens. Le ballon est levé par Conté Ibrahima Sori. La faute. Faute de la main de Sankon Ibrahima Sori du côté guinéen. C'est un coup franc qui est placé juste au niveau de la ligne médiane. Le ballon est levé. Ibrahima Sori. Il va se compliquer la tâche. Le numéro 8, Sankon Ibrahima Sori. Le ballon est levé. Le numéro 17, Ismaël Koroma. C'est une faute. Une nouvelle fois sifflée. La formation de Sérés Junior ne se retrouve pas collectivement pour l'instant. Changer la donne. Attention, c'est une belle ouverture, mais il était
quasiment en retard pour récupérer ce ballon. Le numéro 15, Camara Alseni Agogo. Le numéro 5, Camara Nabi. Ibrahima Sori Conte. Mustapha Sylla. Pour Cissé Abdoulaye. Abdoulaye Cissé. Le numéro 6, Mansaré Mounza. Il va placer pour Ibrahima. Ibrahima Sori Conte avait bien défendu sur cette action-là. Sinon, c'était quand même une balle qui semblait dangereuse pour cette équipe. Le Sili Junior élève ce ballon, ça passe au-dessus de la barre transversale gardée par Sylla Mustapha. On joue depuis 46 minutes et c'est sur cette action l'arbitre va siffler la fin de cette première période. Madame, Monsieur et ma petite spectateur, cette équipe de la Sierra Leone nous a quand même impressionné dans cette première période en ayant marqué ce un but. Je crois que c'est bien parti pour cette équipe et on va mettre une petite pause. Juste après, on se retrouve pour commenter la deuxième période. À tout de suite. Rebonsoir aimables téléspectateurs, nous sommes de retour pour la seconde période de ce match entre Guinéens et Sierra Leonais. Vous le savez très bien, le score à la mi-temps c'était 1-0 en faveur de cette équipe Sierra Leonaise qui est en train de récidiver ici en déplacement face à son homologue de Sili Junior. Donc l'arbitre sénégalais vient de redémarrer encore la deuxième période de ce match. Certainement, ça sera encore une deuxième période qui va nous donner la nouvelle physionomie, puisqu'on connaît très bien les règles du football. La première période, c'est les joueurs. La seconde, c'est l'œuvre des entraîneurs pour prodiguer les conseils aux différents joueurs qui jouent le match. Certainement, les consignes ont été comprises de part et d'autre par ces 22 acteurs qui s'affrontent ici au stade du 28 septembre de Conakry, à savoir l'équipe sierra-léonaise et l'équipe guinéenne. On va suivre ce ballon qui est levé, qui passe au-dessus de la barre transversale gardée par le gardien de but sierra-léonais, Camara Haruna. Il y a deux changements du côté guinéen. On a assisté le premier changement, Samake Abdoulaye, à la première période, qui a remplacé le numéro 18, Diallo Boubacar Sidi. Et à la seconde mi-temps, on a assisté le deuxième changement, le numéro 12, Sylla Ibrahima Sori, qui a remplacé Sankan Ibrahima Sori. Eh bien, on va suivre
cette deuxième période qui va certes nous donner quand même un match aussi important que celle-ci. En tout cas, un match aussi important que celui-ci que nous sommes en train de suivre dans ce stade du 28 septembre de Conakry. Bien, la partie est momentanément arrêtée. C'est le gardien de but Camara Aruna qui va se dégager. Le dégagement très au loin. Les Guinéens repartent avec le numéro 15, Camara Alseni Agogo, qui ne passe pas devant le rideau défensif Sierra Leone. On échange ce ballon dans le rond central. La reprise acrobatique est suivie d'un accrochage de ce numéro 7 guinéen, Camara Sekou Amadou, sur ce joueur Sierra Leone qui se tord de douleur. Plus de peur que de mal dans cette deuxième partie. C'est le numéro 17 du côté Sierra Leone, Ismaël Koroma. Le ballon est levé, la tête, et les Guinéens renvoient. Le 5, Camara Ibrahim, qui va jouer la touche. Le numéro 9 maintenant. Et Agogo, qu'est-ce qu'il fait? Très mal joué. Très mal joué. Après avoir fait le difficile, le facile, il la loupe, ce garçon. Il devrait quand même donner un centre précis puisque on voyait vraisemblablement l'arrivée de ses coéquipiers juste au point de pénalty pour la reprise de ce ballon. Mais il avait mal centré. On va suivre ce ballon du côté guinéen. C'est le numéro 4, Conte Ibrahima Sori, qui a écarté pour le numéro 3. 3 qui n'a pas pu récupérer ce ballon, c'est Bangoura Mohamed. La balle pour les Sierra Leonais à l'intermédiaire de son gardien de but Camara Aruna. Il va se charger de tirer ce ballon. C'était mal tiré quand même. Ballon sorti. La touche est rapidement jouée. Alseni Agogo, la tête d'Ibrahima Sori Conte. On joue un peu pêle-mêle de chaque côté. Le numéro 17, Sissi Abdoulaye, le capitaine, qui va écarter. Pour le 7, Camara Sekou Amadou. Samake Abdoulaye était tardivement là pour la reprise de ce ballon. Sinon, c'était bien joué sur ce coup-là. La passe était bien donnée par Camara Sekou Amadou. Ça profite d'un dégagement pour la formation Sierra Leone. Camara Aruna, le gardien de but. Le numéro 2, c'est Conte Ibrahim. C'est l'auteur du premier but du côté Sierra Leone. Vu qu'il avait marqué, qu'il avait inscrit à la 20e minute de la première période. Ce garçon, il est très remuant dans son registre
offensif. Le ballon est expédié en touche. Un coup franc pour les Guinéens. Sissé Abdoulaye va rapidement jouer ce coup franc. Mais l'arbitre sénégalais va siffler une nouvelle fois quelque chose. Voilà. Il demande de poser. Non. Il dit que c'était une touche et non un coup franc. Attention, qu'est-ce qu'il fait ce garçon? Camara Sekou Amadou qui a perdu ce ballon dans la course. La tête de Ibrahima Sori Konté. Il y a un joueur Sierra Leonais qui se tord de douleur. Il a subi d'un coup en plein visage. Les médecins sportifs de cette équipe Sierra Leonaise vont apporter les soins nécessaires à ce joueur. C'est le numéro 2 qui est étalé sur la pelouse du stade du 28 septembre de Conakry. C'est l'auteur d'ailleurs du premier but, Konté Ibrahim, qui a eu un coup en plein visage. Plus de peur que de mal dans cette deuxième partie. Toujours 1-0 pour les Sierra Leonais et 0 pour les Guinéens. On va repartir avec Ibrahima Sori Konté. Attention, le ballon est placé dans un trou de souris. C'est le numéro 13. C'est Kabatuka Paul qui était dans la course, mais il était trop court pour récupérer ce ballon. La passe donnée par le numéro 17, Ismaël Koroma. On va suivre ce corner de la gauche vers la droite qui sera joué par Barry Sori. Barry Sori qui lève ce ballon. Et c'est Sissé Abdoulaye qui ressort ce ballon de la tête. La frappe! Oh là là, c'était bien joué. C'était super. C'était super. On va suivre encore le numéro 9, Samake Abdoulaye. Abdoulaye Samake. Il va placer pour qui? Et c'était une passe de Bangoura Mohamed qui voulait jouer en triangle là-bas puisque Samake Abdoulaye l'avait donné en premier. Et lui, il redonne au secondo. Voilà. Ça n'a pas porté fruit, cette combinaison-là, du côté guinéen. La poitrine de Ibrahima Sori Konté. Qui va placer pour son gardien de but. Qui dégage ce ballon comme il peut. Ibrahima Sori. Le numéro 3, Bangoura Mohamed. Attention, ça peut être dangereux. Garçon! C'est un corner pour les Sierra Leonais, ce garçon. Il était juste dans le sens du but, mais finalement, anéanti par cette défense guinéenne. Sinon, il s'enfonçait très bien. C'est un corner pour les Sierra Leonais. Et il y a du monde dans la surface de réparation. Là, là, c'est un ballon contré par le numéro 17 guinéen, Sila Abdoulaye. Une nouvelle fois, c'est un corner. C'est une légère domination qu'on constate
Du côté Sierra Leone, le numéro 3, c'était un timing de ce numéro 3. Bangoura Mohamed, plutôt Samoura Aboubakar, du côté Sierra Leone, qui s'était très bien engagé dans le domaine aérien. On va suivre encore cette équipe Sierra Leone qui joue très bien au niveau de la défense. La faute. Oui, il y avait bel et bien faute sifflée par So Alioun et le Sénégalais. La frappe à ras-terre de ce numéro 10, Barry Sori. Les Guinéens repartent avec le 13 qui perd le contrôle de ce ballon. Suivons maintenant cette contre-attaque. Kabatouker pour le numéro 14, Fofana Saïdou, qui lève ce ballon. Saïdou Fofana, la balle dans les pieds des joueurs sénégalais, qui combine très bien. Ismaël Koroma, qu'est-ce qu'il fait? Dounia Yema, Dounia Yemi. La reprise des Guinéens qui remontent. Samake Abdoulaye. Ah non. Le numéro 8, Kekouame. Kekouame. Le 6, Mansarey Moussa, qui était littéralement descendu juste à l'orée de la ligne médiane. Et ça donne un coup franc qui est longuement tiré par le numéro 17, Ismaël Koroma. Ça va donner quand même la touche pour la formation sierra-léonaise. 1-0. Madame, monsieur, vous qui nous pratiquez en direct du stade du 28 septembre de Conakry au compte des éliminatoires de la 19e édition du championnat d'Afrique des nations de moins de 20 ans, qui se déroulera véritablement, si les choses se passent dans les meilleures conditions, au Sénégal en 2015. Le numéro 3 qui cherche à perforer, Bangoura Mohamed, contré par le numéro 14, Fofana Saïdou. On va suivre la formation. Samake Abdoulaye qui lève ce ballon. C'est une défense bien organisée, une défense sénégalaise qui n'a pas du tout de problème, pas de pressing. Attention, la reprise acrobatique, c'était superbe. Il avait superbement joué ce numéro 10, Barry Sori. Mais cette reprise manquait un tout petit peu de cadre pour quand même doubler la mise. Il n'était pas quand même loin d'ouvrir, de doubler la mise du côté Sierra Leone. C'est une équipe guinéenne qui est en train de souffrir au niveau de la ligne défensive, qui a du mal à s'imposer face à cette formation sierra-léonaise, qui joue avec beaucoup plus de technique, beaucoup plus d'expérience, de dextérité, tant au niveau de la défense qu'au niveau de la ligne offensive. Eh bien, tout le monde s'est posé la question que pourquoi cette équipe junior guinéenne est allée perdre du côté de
de la Sierra Leone. Voilà, les gens ont tendance de dire que la Guinée est en avance par rapport à la Sierra Leone dans le domaine du football, mais moi je dis non. Cette équipe Sierra Leonaise, c'est une équipe qui m'impressionne, qui produit quand même un football de nouveaux techniques très appréciable. Certainement, aimables téléspectateurs, vous le constatez ici au stade du 28 septembre de Conakry. C'est un changement. Le numéro 7, Boundou Ali Mami. Boundou Ali Mami. Qui a remplacé le numéro 13, Katou Kabatouker Paul, qui a cédé sa place à ce numéro 7, Boundou Ali Mami, du côté Sierra Leonais. Et le match continue. C'est le coup franc pour les Guinéens. Levé, renvoyé de la tête par cette défense sierra léonaise. Le dégagement dans la profondeur. Conte Ibrahima Sori qui sent ce ballon avec le numéro 15, Camara Alseni Agogo. Et voilà, avec le numéro 13, Camara Alseni, qui échange ce ballon. Et il y avait la présence d'un joueur sierra léonais. On va suivre la remontée de cette équipe guinéenne. Je le disais, c'est une équipe qui ne se retrouve pas collectivement. Dans cette deuxième partie, le gardien de but, Sila Mustapha, donne ce ballon à Conte Ibrahima Sori. Camara Mohamed Latige, le numéro 13, Camara Alseni, obtient la touche et va la jouer rapidement. Le ballon est expédié par Dunia Yemi. C'est la formation de la Sierra Leone qui continue toujours à appuyer. Le numéro 3, Bangoura Mohamed. Pour le 6, Camara Abdoulaye. Bangoura Mohamed, il est signalé hors jeu par So Sabdigui Alioun. Changement du côté guinéen. C'est le numéro 11 qui se prépare. Il s'appelle Souma Bangali, qui va remplacer le numéro 2, Camara Mohamed Latige. Toujours pour apporter du tonus à cette équipe guinéenne qui a des problèmes au niveau de marquage et au niveau des passes distribuées. Manque de précision dans les passes données. Attention, il est encore là, le numéro 2. Conte Ibrahim. Et cette fois-ci, c'est Sila Mustapha qui capte calmement ce ballon. Ça répare du côté guinéen. Quelle mauvaise passe.
les Sierra Leonais amorcent une contre-attaque. Le numéro 2, Conte Ibrahima, il ne passe pas, il était un tout petit peu empêché par cette équipe guinéenne qui défend tant bien que mal au niveau de la ligne défensive. Il y a encore un joueur à l'échauffement. Qu'est-ce qui se passe ici? Le 7 qui a raté une occasion nette de but pendant qu'il était à quelques mètres de la petite surface. Il n'a pas bien enveloppé sa frappe qui passe véritablement à côté. Ibrahima Sori Conte, le numéro 4. Il va jouer pour Cissé Abdoulaye. Abdoulaye Cissé lève ce ballon pour Souma Bangali, le nouvel entrant du côté guinéen. Souma Bangali, il ne passe pas. Non, c'était le numéro 15, Camara Alseni Agogo, qui cherchait à s'échapper, mais l'espace était complètement fermé par ce joueur sierra-leonais. Attention, tout le monde saute du côté guinéen. On rate, en tout cas, ce ballon dans les duels aériens, juste dans la surface de réparation sierra-leonaise. La reprise des balles aériennes manque aux Guinéens. Allez, le dégagement de Camara Haruna dans la profondeur. Envoyé de la tête par le numéro 13 guinéen, Camara Alseni. La touche pour les Sierra Leonais. La touche qui est rapidement jouée. Camara Alseni était là pour défendre une nouvelle fois du côté guinéen. Les supporters sont dessus. Les supporters guinéens. Par rapport quand même à cette prestation de l'équipe junior qui n'impressionne pas quand même son public dans ce match. Encore les Sierra Leonais. Le numéro 10, Barry Sori, qui perd le contrôle de ce ballon. Le numéro 12, c'est Sila Ibrahima Sori. Il y a un joueur sierra-leonais qui est assis au sol, mais il va se relever péniblement pour continuer. Il s'agit de Camara Ibrahima. Camara Ibrahima, il va placer pour le numéro 2, Conte Ibrahima. C'est lui qui a inscrit le but à la 20e minute de la première période qu'on a suivi avec beaucoup d'intérêt dans ce stade du 28 septembre de Conakry. Allez, les Sierra Leonais à l'attaque. Et il y avait un fanion levé pour indiquer une position de hors-jeu. Du côté Sierra Leonais, le ballon est levé longuement par Sila Mustapha. Le numéro 6, Mansaré Moussa, va placer Ibrahima Sori. Rate la récupération de ce ballon. La formation guinéenne, Arseni Agogo. Une frappe dévissée par le numéro 15, Dunia Yemi. Les Guinéens repartent encore hors jeu.
Oui, il y avait bel et bien une position de hors-jeu. Voilà. Pendant que la passe était quand même donnée. Et lui, il était dedans. On va regarder encore ce ballon levé. La tête d'Ibrahima Sori Konté. La talonnade de Barry Sori. Ça combine bien du côté séraliennais. On cherche à perforer la défense. Mais ça ne vient pas au moment voulu du côté séraliennais. Une équipe quand même qui a la hargne de vaincre. Qui veut même doubler la mise face à cette équipe guinéenne. Qui a du mal à s'en sortir. Et qui ne se retrouve pas collectivement dans cette deuxième partie. Eh bien, Barry Sori pour Fofana Saïdou. Va placer pour Boundou Ali Mami. Encore Ibrahima Sori Konté. Qui était taclé. Mais l'arbitre laisse continuer ce match. Ah oui, on réclame quelque chose du côté guinéen. On réclame la faute. Pendant qu'il y a un joueur séraliennais qui est couché là-bas. Sur le côté. Attention. Ah oui, Mustapha Sylla. Il y avait un joueur séraliennais qui avait amorcé une contre-attaque. Il était dans le sens du but. C'est le numéro 8 Kekouame qui a fait un bon dédoublement. Il a fait un passement de jambes qui a failli coûter cher au gardien de but. Mais l'action était annihilée par cette équipe guinéenne qui a des problèmes tactiques. Ce joueur Konté Ibrahim. Il se relève en boitant, accompagné par les deux médecins sportifs de cette équipe séraliennaise. Il va se faire soigner hors de la pelouse du stade du 28 septembre de Conakry. Voilà, on va retoucher ce ballon, c'est Konté Ibrahima Sori, il va placer pour Abdoulaye Cissé, le numéro 7, qui est en train de tourner le numéro 12, Sylla Ibrahima Sori. Le prodige de l'Athletic Club de Conakry, de l'Atlético de Coléa. Voilà, ce garçon, je lui ai connu dans ce club. On va suivre encore la remontée. Attention, Sylla Mustapha a sauvé de justesse cette équipe guinéenne. Sinon, c'était une contre-attaque bien amorcée par cette équipe séraliennaise. La faute sur Samake Abdoulaye. C'est Konté Ibrahima Sori, le numéro 4, qui lève la poitrine de Camara Sekou Amadou. Ah oui, cette équipe guinéenne n'impressionne pas quand même le public
Guinéen qui a effectué le grand déplacement. Eh bien, l'arbitre va siffler une position de hors-jeu. Conte Ibrahima Sori. Sekou Amadou. Sila Ibrahima Sori qui va placer pour le numéro 13. Camara Alceni. Qui était en avance par rapport à cette passe donnée par Sila Ibrahima Sori. Le ballon est levé. Non, c'est dommage. C'est vraiment dommage pour cette équipe guinéenne. Ils étaient quand même à 5 dans la surface de réparation sierra léonaise pour la reprise de ce centre du numéro 13, Camara Alceni. Conte Ibrahima Sori qui est empêché par le numéro 10, Barry Sori. Ça donne la touche à Camara Ibrahima. Du côté sierra léonais, Samake Abdoulaye. Camara Sekou Amadou qui réclame un petit quelque chose sur cette action. Voilà. Le numéro 5, Camara Ibrahima. Il y a un joueur sierra léonais qui se tord de douleur. Bundo Alimami. MB à 0. On va suivre ce coup franc de Camara Ibrahima. Il va s'apprêter. Voilà qui est exécuté. Camara Abdoulaye du côté guinéen. Il va placer pour Sila Ibrahima Sori. Ismaël Koroma. Le ballon est encore une nouvelle fois récupéré par les Guinéens. Sissé Abdoulaye. Pour le 11, Souma Bangali. Qui tourne sur lui-même. Sila Mustapha. Camara Abdoulaye. Sissé Abdoulaye lève ce ballon. Et c'est dans les bras de Camara Harouna. Il va se dégager très au loin. Ibrahima Sori renvoie de la tête. Les Sierra Léonais cherchent encore à combiner. Le numéro 14, Fofana Saïdou. Barry Sori. Pour le numéro 5, Camara Ibrahima qui lève ses ballons. Personne à la reprise. Attention. Ouh, que c'était bien joué. La reprise exceptionnelle de ce joueur sierra léonais. Il avait très bien joué sur ce coup-là. Mais seulement ça lui manquait de cadre. Voilà. C'est le numéro 7 qui avait repris ce ballon. Bundou Alimami. Les Guinéens à l'attaque. Ah oui. Manque de lucidité
de dextérité dans le match. Ah oui. Du côté guinéen. Et ça tourne mal pour cette équipe de la Guinée. On a constaté, entre autres, la maladresse des attaquants guinéens au niveau de la ligne d'attaque. Ça ne fonctionne pas comme ça se doit. Il va falloir quand même retravailler cet effectif-là. Ah oui. On le sait très bien. Nous sommes dans les phases de préparation pour la CAN U20 qui se déroulera du côté de Sénégal en 2015. Samake Abdoulaye. Le ballon est expédié en touche par Camara Ibrahima. Ibrahima Sori Conte pour les Guinéens. On change de côté pour retrouver Cissé Abdoulaye, le capitaine, qui donne ce ballon à Camara Alseni. Ibrahima Sori, servi par le gardien de but, va lever pour Camara Sekou Amadou. Sekou Amadou va placer cet centre trop pas précis. Le numéro 3 guinéen, c'est Bangoura Mohamed. Toujours 1-0 pour les Sierra Leonais. 0 pour les Guinéens. On joue 40 minutes dans cette deuxième partie. Toujours les Guinéens ne parviennent pas quand même à avoir la clé du match. Eh bien, le centre d'Ibrahima Sori ici là, ça cafouille dans la surface sierra-léonaise. Le ballon est levé. Attention, c'est une contre-attaque qui peut être dangereuse. Non. Et c'est récupéré véritablement par Cissé Abdoulaye. Ibrahima Sori ici là, lève ce ballon. La sortie. Et ça défend bien du côté sierra-léonais. Ibrahima Sori ici là va jouer pour Samake de la poitrine qui cherche son coéquipier, le numéro 3 Bangoura Mohamed. Conte Ibrahima Sori va servir Camara Alseni. Alseni Camara va lever la reprise de la tête qui n'était pas bien ajustée, qui passe au-dessus de la barre transversale gardée par Camara Runa, qui a fait un très bon match. Ouais. Il y a des joueurs à l'échauffement du côté sierra-léonais. Et du côté guinéen, aucun joueur. L'encadrement technique reste concentré sur ce match. Ibrahima Sori ici là. Conte Ibrahima Sori. Il redonne ce ballon à son gardien de but, Sila Mustapha. Cissé Abdoulaye. Abdoulaye Cissé élève Ibrahima Sori. Sekou Camara Sekou Amadou. Samake Abdoulaye. Que va-t-il faire? Il va se débarrasser de son vis-à-vis. Il est empêché par deux joueurs. Attention. Oh! C'est dommage. Le gardien de but sierra-léonais
Kamara Aruna. Il s'est plongé sur ce ballon sans problème quand même. Ibrahima Sori Sila. Il était un peu accroché. Ça va donner un coup franc juste dans le rond central. La balle, la tête faiblement jouée par le numéro 7, Kamara Sekou Amadou. On joue depuis 43 minutes dans cette deuxième période. Toujours, les Guinéens n'ont pas la clé du match. C'est une équipe guinéenne qui ne se retrouve pas collectivement dans cette deuxième mi-temps. Les Sierra Leonais qui mènent la danse, qui jouent très bien au football, qui conservent son acquis. Cette Guinéenne maintenant de jouer sur l'ensemble des deux matchs livrés, ça fait 2-0. Puisque à l'aller, les Sierra Leonais en avaient gagné sur le score d'1-0. Et au retour, c'est ce même score qui se répète ici au stade du 28 septembre de Conakry. Pour l'instant, on ne sait pas si quand même les Guinéens parviendront quand même. C'est la grosse question qu'on se pose dans cette deuxième partie. Et le match tend vers sa fin. Voilà, on joue maintenant les dernières minutes de ce match. L'arbitre certainement a montré le temps additionnel alloué. C'est 3 minutes très exactement. Les Guinéens, le coup franc qui est vite joué par Sila Ibrahima Sori. Les Sierra Leonais reprennent. Sila Mustapha, ça revient dans le camp guinéen. Le numéro 3. Conte Ibrahima Sori lève ce ballon. Samake Abdoulaye. Ah oui, je le disais depuis l'entame de cette rencontre que cette équipe guinéenne, il y a manque de précision dans les passes données. Et quand vous entendez quand même un match de football, dans sa globalité, c'est des passes précises données. Si les passes ne sont pas précises, je pense bien que ça ne peut pas donner un résultat. Même pour marquer, il faut préciser. Et pour faire circuler le ballon, véritablement, il faut la précision. Le football, c'est la précision en fait. On va suivre ce coup franc qui peut être le dernier coup franc, peut-être. Bangoura Mohamed. Attention, la reprise de Sila Ibrahima Sori. En tout cas, les supporters infatigables guinéens, ils sont là en train de jouer les tambours et les tam-tams pour donner l'espoir à son équipe nationale junior.
Et c'est la fin, mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs. C'est la fin sur le score d'un but à zéro en faveur de cette équipe sierra-léonaise qui a fait une très belle opération cet après-midi. Et c'est sur ce, on va se quitter, mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs. Et dans l'espoir de vous retrouver bientôt pour le commentaire d'un autre match. Et merci, à bientôt.